Ici, un modernisme très flashy et un patrimoine multiséculaire se rencontrent. Berlin est à plus de 3000 km, Moscou 2000, Téhéran 1000, mais Tbilissi, capitale de la Géorgie, passe pour être le balcon de l'Europe. Nous nous trouvons au milieu du Caucase. Tbilissi signifie littéralement « endroit chaud ». C'est une ville qui s'est développée de façon sauvage, de sorte que nous ne nous comprenons pas vraiment nous-mêmes. Donc d'un côté, il y a ici une identité très particulière, très forte, une très longue histoire, et de l'autre côté, c'est un creuset où se mélangent l'Asie, l'Europe, le Nord, le Sud. Wato Tsereteli le sait bien. Il est conservateur et directeur de centres culturels, donc très concerné par les mutations de sa ville. Il montre à Métropolis la vue qu'on a depuis le toit du caravansérail. Après une longue torpeur, la ville est redevenue un nœud de communication, comme à la grande époque de la route de la soie. Tout arrive très vite. Le développement est très rapide. Les changements aussi. À certains endroits, c'est la jungle. Ça pousse de façon monstrueuse. Mais la principale caractéristique de cette ville, c'est le paysage, ce relief. Et nous devons en prendre soin pour que ce paysage soit protégé. Wato nous entraîne au cœur de la vieille ville, dans le quartier de Bethlehemi. Il faut absolument parler de cette place. Elle a une grande importance dans l'histoire de la Géorgie. C'est une histoire intéressante parce qu'à un moment, il a été question de détruire cette place historique et d'introduire une architecture minimaliste et des centres commerciaux. Alors la société civile a fait bloc pour la première fois. Ça a été une des premières victoires des citoyens sur l'État. Si on peut encore admirer ce lieu aujourd'hui, c'est grâce à cette mobilisation. S'engager pour préserver l'identité de la ville et les lieux communautaires, voilà une chose qu'il faut réapprendre après l'ère soviétique. Nadja Orashvili veut-elle aussi faire quelque chose pour la ville ? Elle ne l'a pas quittée comme tant de ses amis pour prendre le chemin de l'Ouest. Au contraire, elle a amené la culture des clubs de Berlin ou de New York à Tbilissi. Plus que ça, elle est convaincue qu'au sein d'une société aussi conservatrice que la Géorgie, le premier besoin de la jeunesse, ce sont les espaces libres. Sous le stade national de football, Nadja a fondé il y a 3 ans le club Bastiani. Il a été très difficile pour notre génération de trouver des opportunités et des espaces où se développer. C'est pour ça que nous avons ouvert ce club avec des gens qui avaient une vision de l'avenir. Ce club a un contenu politique qui est central pour la majorité de notre génération. Au Bastiani, pas de place pour l'homophobie et le sexisme. À travers son travail et son engagement, Nadja capte la détresse de sa génération. La Géorgie est dure à ceux qui sont différents ou appartiennent à une minorité. Le club et la musique sont donc devenus partie intégrante de la culture d'opposition par le relais du Bastiani. Pour beaucoup de gens, cet endroit est un endroit sûr et il est lié à des valeurs que les gens ne veulent plus abandonner. La pression sociale, l'insécurité économique, tout cela doit rester dehors, au moins pendant les quelques heures que dure la soirée. Il s'agit de réagir contre le manque de liberté et les relents des temps anciens. Métropolis a rencontré une autre porte-parole de sa génération. Ninoana Samkharadze, 26 ans, s'engage dans Chaikana, le salon de thé. C'est un réseau qui informe sur divers sujets dans toute la région du Sud-Caucase. Ninoana écrit et photographie pour Chaikana. Elle veut retrouver des histoires, avoir une activité artistique et se mettre à l'épreuve.
J'adore prendre des photos avec mon téléphone. Ce n'est pas une caméra, c'est un peu une part de votre corps. Vous accumulez des traces de votre vie, des expériences que vous faites en temps réel. C'est vraiment très bien. Ninoana travaille aussi pour Kolga, un festival qui attire de jeunes photographes du monde entier à Tbilissi pour y présenter un regard neuf et des façons de voir différentes. Ma génération a traversé des temps difficiles. Les années 90, la révolution des roses, la guerre de 2008. Mais tout cela nous a aidés à nous adapter au changement. Ninoana nous conduit dans l'ancien quartier allemand. Il reste peu de traces de ce passé-là à Tbilissi. Mais il y a un lieu qui subsiste presque par magie. C'est l'un des trésors cachés de Tbilissi, dans l'avenue Armachenebeli. L'endroit dans lequel nous nous trouvons est l'un des plus vieux cinémas du monde. Il appartenait à des émigrés allemands. On l'appelait le théâtre Apollo. On l'appelait aussi théâtre électrique. C'est de l'art nouveau, il date de 1909. Et il tombe en ruine. La quête de l'identité de Tbilissi, de ce qui a autrefois influencé la ville, nous mène hors de l'enceinte, dans un lieu qui sonne un peu allemand. Bolnissi s'appelait auparavant Katharinenfeld et fut fondée en 1817 par des émigrés allemands. Farshad Kazimov est un de leurs descendants. Ces jours-ci, on fête les 200 ans du village dans l'ancienne rue allemande. Les ancêtres de Farshad ont fui la famine qui régnait en Souabe et se sont rendus dans le Caucase à l'invitation du tsar Alexandre. Ils préservent leur culture et leur vieux dialecte germanique. Mes parents habitaient dans cette cour, dans cette maison. Mais je n'y ai pas vécu longtemps, juste 2 ou 3 ans. Mon grand-père, Gottlob Meyer. Il y a des gens dans notre paroisse, dans notre église, qui parlent souabe. Mais très peu qui parlent l'allemand. Pour la fête commémorative, l'orchestre militaire de la Bundeswehr joue. Étant donné la pauvreté accablante, les retraités comme Farshad Kazimov vivent avec 60 euros mensuels. On rêve d'obtenir de l'aide. Les petits apprécient. Farshad rend visite à Sofia et Tamara Tumaeva. Les deux sœurs n'ont jamais encore été en Allemagne. J'ai apporté mes vieilles photos. Les Allemands appelaient mon père Tauber, comme pigeon ou coq. C'était un bel homme. Pour moi, géorgien et allemand, c'est un peu la même chose. Oui, je crois aussi. Un jour, un Allemand est venu. Il est descendu dans la cave. Il y avait des Grombiera. C'est le mot souabe pour pomme de terre. Il a dit « Comment vous appelez ça ?» Alors j'ai dit « Grombiera ». Il s'est mis à rire. Et il a dit « Comment ?» J'ai dit « Grombiera ». Et il a dit « Mais non, pas des Grombiera, des kartoffeln, des patates !» En Géorgie, l'ancien dialecte souabe et l'église évangéliste participent de l'état pluriethnique. Retour à Tbilissi. La jeune démocratie mène une politique anti-drogue inhumaine, estime Nadja Orashvili. Elle criminalise les délits mineurs et l'arbitraire policier règne. Aujourd'hui, Nadja a organisé avec d'autres activistes une rencontre dans l'ancien Parlement. Depuis l'été, les manifestations contre la politique de tolérance zéro et la violence policière incontrôlée sont montées en puissance.
En Géorgie, on ne peut posséder le moindre milligramme de drogue. Les peines sont draconiennes, aussi lourdes que pour un meurtre. Les prisons sont pleines. Deux élus sont disposés à discuter d'une nouvelle loi avec les activistes. Enfin, nous dit Nadja, notre voix est entendue. Les hommes politiques prennent l'exemple du Portugal, dont la politique libérale en matière de drogue semble efficace. On ne peut plus continuer à ignorer le problème. Nous sommes prêts à travailler avec vous. Chaque jour, nous recevons 10 à 15 lettres de gens qui sont en prison et qui racontent des choses terribles. Il va y avoir une loi pour décriminaliser les délits mineurs. Le Parlement va en débattre. L'année prochaine, notre pays pourrait connaître un changement judiciaire révolutionnaire. Tbilissi est si diverse, de la culture des clubs de nuit aux traditions religieuses, qu'elle en est presque déchirée. La foi orthodoxe est ancrée en Géorgie. Le pays est chrétien depuis le 4e siècle. Pour Watteau Tsereteli, c'est une source d'inspiration. Je pense que la religion orthodoxe est moins centrée sur le corps. Elle s'occupe plutôt de l'âme. En tant qu'artiste, je trouve que c'est très important. Car dans l'art, il ne s'agit pas de tout montrer, mais de désigner quelque chose d'invisible. Au Centre d'art contemporain, Watteau essaie de mettre en relief toutes ses influences dans ses archives du changement. Il considère la diversité et l'adaptabilité de sa ville comme une chance pour l'avenir. Si c'était à moi de décider, je choisirais pour la ville une vocation de paix. On pourrait y tenir des congrès pour la paix. Je pense que ça serait bien qu'un institut de la paix s'installe ici. Je crois fermement que nous devons transformer notre situation géographique, qui était un problème, en source de nouvelles possibilités. Une ambiance de renouveau règne à Tbilissi. Il y a de l'énergie, beaucoup d'idées, mais aussi beaucoup d'épreuves à surmonter pour une ville entre le gris soviétique et le modernisme de l'acier et du verre, entre l'Est et l'Ouest, entre le passé et le futur.